Good morning, allez, Yiden, le titre sera aujourd'hui le Lunishmat Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Rachel Rachel bat Sarah, ainsi que l'Irfoua, Tariya Kiba ben Shachar, Shlomo ben Esther, Refel Zulun ben Chaya Malia Betor Shachol Israël, Elizchut Daniel ben Esther. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Avot, Perikhe, Mishnah Yutet. Kol Mishayesh Beyado Shlosha Dvarim Alalu Mitalmidav Shel Avraham Avinu. ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. שנאמר להנחיל אוהבי יש. ועוצרותיהם המלא, אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהינם ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, toute personne qui a en lui, qui a qui, ces trois choses-là, ces trois traits de caractère, alors qu'il sache qu'il est mitalmidav shel Avraham Avinu, qu'il est des disciples, des élèves d'Avraham Avinu, tandis que ushlosha advarim achrim, s'il a trois autres choses, le contraire en fait, donc trois traits de caractère inverses, alors qu'il sache qu'il sera mitalmidav shel Bilam Harasha. Qu'il sera un des disciples de Bilam Harasha. Et la Mishnah nous explique c'est quoi ces trois traits de caractère particuliers qui singularisent les élèves d'Avraham Avinu et que le contraire singularise les Talmidim de Bilam. Alors la Mishnah nous dit Ain Tova, littéralement un bon œil, Veruach Nemucha, un souffle bas, Venefesh Shefala, et une âme qui implique plutôt la force instinctive, la vie instinctive, Shefala, passe. Alors s'il a ces trois choses-là, il sera mitalmidav shel Avraham Avinu, et le contraire sera ceux de Bilam, on va expliquer bien sûr, mais je préfère d'abord présenter les mots avec une chose et son contraire, ça nous permet ensuite de mieux discerner exactement de quoi on parle. Donc il a les trois choses contraires, au lieu d'avoir le Ain Tova, il a une Ain Ra'a, un œil mauvais, un mauvais regard, Veruach Gevoha, et un souffle très hautain, donc l'orgueil, ça va nous permettre de comprendre que Ruach Nemucha, on parlait de modestie, Venefesh Rechava, et littéralement une vie instinctive, le Nefesh, c'est la partie inférieure de l'âme, Rechava, large. Alors, s'il a ces trois choses-là, il sera Mitalmidav Shel Bilam Arasha, il sera considéré comme un disciple de Bilam Arasha, et la Mishnah ensuite va nous dire ce sera quoi la finalité de chacun, tout ce que vont gagner les Talmidim d'Avraham Avinu et ce que vont perdre les Talmidim de Bilam Arasha. Mais d'abord, on va expliquer ces trois choses-là. Si vous faites attention, on parle de Ain Tova. On va d'abord suivre le Bartanoura qui se fonde sur le Rambam, qui parle de Ain Tova, c'est un bon œil sur son prochain, sur ce que l'autre a son prochain. Ça implique deux choses. Voir positivement l'autre. C'est le principe. Voir positivement, lorsque l'autre il gagne, on est content pour lui. Lorsque l'autre a reçu un titre, un mérite, un quoi que ce soit, on est content pour lui. Ça implique d'abord de ne pas se suffire de ce que l'on a, être bien avec ce que l'on a, de ce fait qu'on est bien avec ce que l'on a, on est capable de voir l'autre bien. J'insiste sur ces deux notions parce qu'elles sont toutes les deux rapportées par le Bartanoura, bien qu'apparemment ces deux traits de caractère assez différents, même s'ils sont liés quelque part, tout se rejoint, les bonnes midot se rejoignent toujours quelque part. Mais d'un autre côté, il insiste sur les deux choses-là. D'un côté, il est « mistapek bemasheyesh venochomed mamon acherim ». Il se contente de ce qu'il a, il n'a aucun désir de ce qu'il a sur l'autre. Mais d'un autre côté, il ne précise pas, alors, le Bartanoura ne précise pas, c'est quoi le Ain Tova, alors en quoi il est bon. Ain Tova, ça implique qu'il voit bien l'autre. C'est pour ça que je pense que c'est en ça que ça se relie, malgré tout. C'est déduit d'Avraham Avinu que lorsqu'il est revenu de la guerre des Melachim, le roi des hommes lui dit « Vas-y, prends-toi tout le bien, rends-moi juste les hommes. » Et il lui dit « Avraham a dit « Moi, je veux rien du tout, reprends tout pour toi. » Donc on voit qu'Avraham Avinu, il se contentait, il était très bien avec ce qu'il avait, il ne désirait rien de plus. Il était « mistapek bemashayalo ».
Ça, c'est l'explication du Bartenora. D'abord, on va le finir, on va suivre le Bartenora dans les trois traits de caractère. Et donc, le contraire, bien sûr, chez Bilam Arasha, c'est celui qui désire sans arrêt tout ce que l'autre il a. Ouais, comme ce qu'on va voir, le Bartenora rapporte, Balak lui a proposé de l'argent pour partir mendier le Ham Israël. Bilam, il savait très bien qu'il allait tout perdre dans cette histoire, qu'il allait à l'encontre d'Hachem. Il n'a pas pu se retenir devant, on lui proposait de l'argent, il était obligé de partir. Et il a tout perdu finalement. Ça, c'était pour le Aïn Tova. Ruach Nemucha, dans le Nefesh, il faut savoir, on avait déjà expliqué ça dans l'introduction à Kohelet, du Gaon de Vilna, ça veut dire que ça se rapportait il y a 4 ans, à peu près dans les 5 minutes éternelles. On a expliqué c'est quoi Nefesh, Ruach et Neshama, trois niveaux de l'âme, de la vie qui est en l'homme. Un homme, il vit, ça veut dire, premièrement, il a la force instinctive qui fonctionne. Un homme vit, ça veut dire qu'il se déplace, il a du contact avec les autres. Et un homme vit, ça veut dire qu'il développe aussi l'intellect. C'est Nefesh, Ruach, Neshama, c'est trois niveaux différents. Un, c'est la vie végétale. L'autre, ça implique la vie plus animale, puisque c'est le rapport avec la vie de société, le rapport avec l'autre, ou alors le... Ouais. Et la vie spirituelle, la vie de l'intellect. Quelqu'un qui a plus de cerveau, on dit qu'il est mort, même si concrètement... d'accord. Et ainsi de suite aussi, quelqu'un qui est en mort clinique, il est en mort clinique, même si concrètement, il a une vie encore végétale. Et donc, ces trois niveaux de vie différents, Nefesh, Ruach, Neshama, ça va un petit peu en rapport avec ça, hein, surtout selon ce qu'on explique ensuite d'après le Tiferet d'Israël. Pour le Bartanora, le Ein Tova, c'était une chose. Pour Ruach Nemucha, c'est le souffle qui est à l'intérieur de lui. Donc il est bas, il est humble, il est modeste, il laisse la place à l'autre. C'est la Nava, comme ce qu'Avraham Avinu a dit, Vanochi Afar va Efer, à la différence de Bilam, qui était lui. Neum Shomea Veyoda, il se vantait d'être quelqu'un que je connais, j'ai. Il était Ruach Gevoa. Isla Tapé, comme on dit. Et Venefesh Shefala, alors le Nefesh, c'est la partie inférieure de l'âme, c'est la vie plus instinctive donc. Et il a un instinct souple, bas, il désire pas plein de choses, il se contente de ce qu'il a. Il a mangé, il est content, il n'est pas sans arrêt. Ah, oh, je veux encore. D'accord. Là, il n'a pas une Tahava forte. Ça, c'est Avraham Avinu, comme ce qu'on apprend d'Avraham Avinu, qu'il a découvert que sa femme était belle juste avant de partir en Égypte, alors qu'il était déjà bien âgé. Ouais, et il a eu... D'accord, peu importe. Et il n'a pas dit qu'il y a Fatma Reat. Alors maintenant, je sais que quand on va partir en Égypte, j'ai réalisé que tu es une femme belle et qu'on risque d'avoir des noises là-bas, des problèmes là-bas. Donc, jusqu'à maintenant, il ne regardait même pas sa femme, à la différence de Bilham, où lui, il a donné des conseils terribles de faire fauter l'homme Israël avec les Bnot Moab. Donc il avait des assoiffés de tava, tout était permis, tous les coups sales étaient permis chez Bilham. Ça c'est pour le Bartenora, comme il explique trois choses. Le Tiferet d'Israël, il précise quelque chose de plus, un petit peu plus poussé, dans le sens où ça rejoint le Nefesh, Ruach et Neshama justement. Donc le Nefesh et Ruach, c'est la même chose. Nefesh, c'est le côté tahavani, le désir de tous les plaisirs terrestres. Ruach, c'est le côté plus l'orgueil. C'est un autre niveau, plus haut. Et sur le Ein Tova, il explique, c'est un bon œil, ça veut dire un regard constructif sur la vie, vouloir faire évoluer le monde, faire réussir le monde, diffuser les bonnes choses. Ouais, il y a des gens qui ont ça dans l'âme. Moi, je les appelle les constructeurs et les destructeurs. Il y en a qui veulent construire le monde, ils sont sans arrêt. Ils veulent pas qu'il y ait de la jalousie, ils veulent pas qu'il y ait de la compétition. Au contraire, ils veulent que tout converge dans le même sens, où tout le monde vit bien, en paix, tranquillement, sereinement, alors qu'il y a d'autres gens qui sont sans arrêt en train de voir « Ah, t'as vu qu'est-ce qu'il a eu, t'as vu qu'est-ce qu'il a pas eu, comment je veux ça, pourquoi lui il a eu, pourquoi il a pas eu ?» Ça, c'est le contraire, c'est ce qu'on appelle le Ayn Ra'a. Ça, c'est expliqué ainsi par le Bartenora, donc ça fait allusion, en fait, c'est un problème de Sechel, il y a le Sechel, le cœur et l'instinct. D'accord. C'est le trois points. Et voilà, et donc c'est ce qui s'est passé en fait avec Avraham Avinu, que lui avait un bon œil, il a diffusé la Emouna d'Hachem, le Tiferet Israël précise, il se plie même devant des choses qu'il ne comprend pas, parce qu'il sait qu'elles sont vraies malgré tout. Même quand on ne comprend pas des choses d'Hachem, on se plie. Ça c'est quelqu'un qui est Aïn Tova. À la différence de celui de Bilam Arasha, qu'il était très racham pour faire quoi? Pour faire fauter tout le monde. Ça, c'est les trois points selon Tiferet Israël. Maintenant on peut continuer à la suite de la Mishnah. La Mishnah nous enseigne maintenant. Ma ben Talmidav shel Avraham Avinu le Talmidav shel Bilam Arasha. Quelle est la différence essentielle que l'on verra entre les disciples d'Avraham Avinu et les disciples de Bilam Arasha? C'est une question un petit peu intéressante parce que, comme si on avait un doute, quelle était la nécessité.
Il y a ici le Chidushim arrière qui rallonge un peu dessus pour expliquer la question, mais il explique plutôt la réponse en fait. On va se contenter de la réponse après, on va expliquer qu'est-ce qu'il a enseigné. En tout cas, il nous enseigne, la Mishnah nous dit comme ça, Talmidav shel Avraham Avinu. Peut-être aussi, je pense que la question elle vient plutôt nous dire, sache que ces trois traits, on parle de traits de caractère, on ne parle pas encore de Averot, franchement. On parle de nature. Malheureusement, on peut parfois même rencontrer des gens qui vont étudier la Torah, qui ont une vie assez investie dans l'accomplissement des mitzvot, et que malgré tout, ils ont ces petites midot du Bilam Arasha, de Talmidav shel Bilam Arasha. Alors la Mishnah vient, elle les stimule, elle nous dit vérifie, à bien nettoyer ton cœur, à bien nettoyer toutes tes midot, à prendre une bonne place, être un Talmid d'Avraham Avinu et pas un Talmid de Bilam Arasha. Parce que regarde qu'au final, quel est. Qu'est-ce qu'ils gagneront les Talmidim d'Avraham Avinu à la différence de ce qu'ils perdront les Talmidim de Bilam Arasha? Et justement, il nous enseigne Talmidav shel Avraham Avinu, les disciples d'Avraham Avinu, ils gagnent doublement. Ochlim ba'olam hazeh, ils mangent bien dans ce monde présent. Venochalim ba'olam haba, ils héritent ensuite au monde futur. Le Chidushim arrière précise que ba'olam hazeh, ils mangent leur part, les fruits de leur part. Et Olam Haba, ils sont non seulement qu'ils auront leur part, mais ils sont même Nochalim. Ils hériteront la part des Talmidim de Bilam Arasha qu'ils n'auront pas eu. Quelque part, Hachem il avait prévu au monde futur de distribuer 1000 mondes. Et il avait dit, bon, 1000 mondes, ça implique 500 pour Reuven, 500 pour Shimon. Seulement Reuven, c'est un Talmid d'Avraham Avinu. Shimon, c'est un Talmid de Bilam. Alors, Talmid de Bilam, il ne va pas se lever au monde futur. Il va y avoir 500 en plus. Hachem va dire, dommage, prends les Reuven. Il va donner les 1000 Avraham Avinu. En fait, c'est ça que Nochalin, Baolam Haba, ils héritent. Ils héritent même la part de quelqu'un d'autre qui n'est pas venu prendre sa part, en fait. D'accord ? En tout cas, ça, c'est déduit du pasuk. Sheneemar le Anchil Ohavai Yesh, ve Otsrotehem Amale. Le pasuk nous dit, il parle de la Torah, de ceux qui vont vivre selon la Chochma, la sagesse de la Torah. Le Anchil Ohavai Yesh, que ça leur permettra d'hériter à mes bien-aimés Yesh. C'est. Les 310 mondes, c'est la gamatria des 310 mondes prévus pour les tzadikim. Et que déjà dans ce monde présent, leurs réserves, je vais les remplir. C'est-à-dire, en fait, on apprend de là qu'ils vont à la fois avoir le monde futur et même le monde présent. À la différence de Aval Talmidav shel Bilam Arasha, tandis que les disciples de Bilam Arasha, eux, ils sont Yorshim Geinam, ils héritent l'enfer. Veyordim Lev'er Shachat. Et littéralement, ils descendent au puits du désarroi, de la peine, de la douleur. C'est un peu flou de quoi ça parle précisément. Et le Tiferet Israël explique précisément sur le Be'er Shachat que c'est justement la tristesse. Il vient nous apprendre deux choses. Il nous apprend qu'au monde futur, ils hériteront le Geinam. Mais en plus, même dans ce monde présent, où ils pensaient avec leur salmidot, leur trait de caractère terrible. Ils pensaient profiter de ce monde quelque part, se dire « je vais prendre tout ce que l'autre il a, je vais tout avoir ». Sache que même dans ce monde, finalement, il descendra puiser dans la misère tout ce qu'il aura. Au lieu de puiser des plaisirs du monde, de puiser de ça, de la joie, de la satisfaction, il n'aura que du désarroi et de la peine. Pourquoi ? Logiquement, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il a mal utilisé ce monde, donc forcément, ce monde se vengera. Mais c'est déduit du pasouk. Shenemar, comme le pasouk nous dit, « Vata Elohim Turidem Liver Shachat »« Toi, Hachem, tu le feras descendre au Be'er Shachat » donc au puits de la tristesse, de la peine. Et en plus de ça, « Anshidami Mumirma lo yechetsoyemem » donc là, le Be'er Shachat, ça fait allusion plutôt au Geinam, excusez-moi. « Et Anshidami Mumirma » et les hommes de Damim ou Mirma, de ruse et de sang et de querelle, lo yechetsu yemehem, ils n'atteindront même pas la moitié de leur vie. C'est marqué dans la Gemara que les Rechaim, ils meurent même à la moitié de leur vie, Hashem Yerachem, et lo yechetsu yemehem, même la moitié de leur vie, ils n'auront pas. C'est-à-dire qu'il espérait par là qu'il allait plus vivre et il a au final tout perdu. Le monde futur et même le monde présent, il n'a même pas pu rester sur terre pour en profiter. Et sur ça, David Ameller conclut ce pasouk en nous disant « Vani Eftach Bach » et moi Hachem, je continuerai à croire en toi, même si finalement je peux voir aujourd'hui des Rechaïm qui profitent et qui gagnent, et moi qui souffre, je sais pertinemment Hachem que lorsque je ferai ta volonté, lorsque je resterai justement un Talmid d'Abraham avec nous, au final,
Je perdrai rien, ce qui me reviendra, et j'ai aucun intérêt à aller faire moi-même le mal. Vaniev Tachbar, je resterai fidèle, croyant et croyant en toi, et donc ne ferai pas le mal, et voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, d'Atzlacha Kol Tov, Salam.